C'est parti. Tu filmes? Ouais, c'est parti. Ah, okay. Le daron. Le daron statutaire. Vous allez braquer le client. Arrêtez de l'appeler. À quel moment j'ai dit ça? On a ce rôle. Ah, ok. Ça va, maman? Bah oui, ça va. Et ça va, les gars? Ça va? Salut. Bonjour. Bonjour. Comment va? C'est bon? Bonjour. Salut. Bonjour. Quand tu nous as ramené ta Clio de l'enfer, c'est à toi ou à toi déjà? C'est à moi. Allez, c'est l'enfer. Ouais. C'est quand même l'enfer, frérot. C'est bien. Le détail aussi. Le détail aussi, attention. Alors du coup, frérot, présente-toi et explique-nous ton petit projet du Seigneur. Je m'appelle Renaud, donc je viens de Lyon. Je t'appelle Renaud. Je te jure que j'ai prié le Seigneur pour pas que tu fasses cette blague. Je me suis dit, mais... Tu sais, t'as non. dit Renaud, il l'avait préparé. Je l'avais là. C'est trop beau. Ouais, là, franchement, c'est la passion jusqu'au bout. Ah, moi, j'avais déjà anticipé, j'ai dit le détail, tu vois. C'est vraiment le détail. Ok, frérot, excuse-nous, on est très fatigués. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Monte la fête, quand même. Ouais, plusieurs fois. Et il m'avait préparé, il m'a dit, tu vas voir, tu vas dire que t'appelles Renaud. Ah, bah, tu sais, nous, on est comme ça, ici. Bah, nous, on loupe rien, frérot. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Donc, ouais, une Clio 4 RS de 2017, donc les dernières phases en trophy. Donc j'ai fait dessus une préparation donc esthétique. Il y a un body kit qui élargit la voiture. Donc c'est un body kit qui vient de chez Renault Sport, de chez RS Performance. Qu'on peut avoir si on commande chez Renault Sport. Voilà. Okay. Et en édition limitée, alors je sais pas, il doit en rester encore en vente, mais il y a que 250 exemplaires monde en fait. Mais tu peux l'avoir après avoir acheté la voiture? Moi je l'ai rajouté après. Ok, donc tu peux pas l'avoir avec la voiture quand tu l'achètes. D'accord, j'ai compris. Tu le rajoutes forcément. Ok. Donc qui élargit là, petit rajout sur le pare-choc à l'avant, le bas de caisse c'est modifié, c'est pas celui d'origine. Mais il fait partie du Renault Sport. Ouais, c'est tout le kit est Renault Sport, c'est RS Performance. Pareil là, les rajouts ici. Attends, juste une question, il y a des cales devant ou pas? Oui, la voiture est aux quatre coins, c'est 20 mm. Okay. Parce que sinon après c'est trop rentré. Mmh. Ils préconisent chez Renault Sport de mettre des cales, mais moi je suis parti sur du 20 mm aux quatre coins. Ça la fait plus ressortir, je trouve que ça fait un look plus agressif. Bien sûr, tout à fait, frérot. Ça se termine donc jusqu'ici avec le rajout sur le pare-choc à l'arrière. Le pare-choc arrière reste comme il est. Le pare-choc arrière, il est resté d'origine, c'est juste on vient rajouter cette pièce-là qui fait partie du kit. Ok. Voilà, dessus. Moi je vais prendre un petit peu de recul. Ensuite. Donc pour le body kit, c'est tout ça. Ensuite, il y a eu un aileron qui a été rajouté aussi. Qui fait partie du kit, Renaud ? Qui fait pas partie du kit. Le kit, c'est uniquement le body kit. D'accord. Donc lui qui est en exemplaire limité et numéroté. Ok. La plaque à l'intérieur, on la verra tout à l'heure. D'accord. L'aileron, c'est un élément qui vient en plus. Rien à voir avec Renaud ? Qui est de chez Renaud. Qui vient de la... C'est important. C'est l'aileron de la Clio Cup. Ok. Donc c'est dérivé de la compétition. Donc c'est vraiment utilisé en compétition sur circuit sur les Clio Cup. Ok. Ça lui donne un look vraiment plus agressif. Bien sûr. Les jantes ont aussi été modifiées. On n'a pas parlé de l'échappement, frérot. L'échappement, donc d'origine, elle est équipée, toutes les trophies phase 2 sont équipées de Ligne Akrapovic, exactement. Okay. Moi, tout ce que j'ai fait sur la ligne, c'est juste supprimer le silencieux et la remplacer par un tube. Ok. En modification esthétique, j'ai fait aussi les jantes, qui ne sont pas les jantes d'origine. Donc c'est pareil, c'est des jantes qui viennent de chez RS Performance, c'est les Turini. D'accord. C'est un modèle qui est très connu chez Renault. Donc en fait, elles sont plus légères. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le kit... Toute la voiture est vient de chez Renault. Toutes les pièces viennent de chez Renault. Voilà, ouais. Ça c'est super important de le dire. Pour l'esthétique, tout vient de chez Renault. D'accord. Les jantes, l'aileron, le body kit. Les stickers, ça vous rien à voir. Les stickers, ça, la déco en rouge. Ouais. C'est la déco qui est dérivée, donc c'est la déco de la Trophy R, la Mégane 4. Ok. Que tu avais essayé en plus avec Jessica. Oui, bien sûr. C'est adapté sur mesure pour la Clio. Pour la Clio. Voilà. Ça vient pas de chez Renault. C'est fait par quelqu'un qui fait du sticker. D'accord. Donc j'ai rajouté esthétiquement les stickers, pareil, bandeau par soleil sur l'aileron. Et la dernière touche qui vient de chez Renault aussi, et pas des moindres, c'est un aileron allégé en carbone. D'accord. En vrai carbone. C'est du vrai carbone. C'est du vrai carbone. Okay. C'est pareil, ça vient de chez RS Performance. Ouais, donc en fait, toutes tes pièces esthétiques viennent de chez Renault. Oui. Et ça, c'est très important, les amis. Ouais. Pas que ça soit amoindri si, par exemple, il y avait un aileron... de chez Autoturc et un bouclier de chez Billroad, mais là tout est homogène parce que ça vient du constructeur. Voilà. C'est quand même pas mal du tout, tu vois. Il faut le dire. On va pas se mentir. Voilà. Au niveau du freinage, il y a eu une modification aussi de fait.
À la base, la Clio est montée en monopiston sur les étriers à l'avant. Là, c'est double piston. Là, c'est quatre pistons. Quatre pistons, frérot. Quatre pistons. C'est pour vous dire à quel point je suis connaisseur. Moi, je suis resté au printemps. La Clio 3. C'est les étriers de la Clio 3 RS. Ok. Donc en quatre pistons qui sont adaptables juste avec des cales. Et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi utiliser des élargisseurs de voie. D'accord. Pour qu'on puisse glisser l'étrier. Très bien. Voilà. Pour la prépa esthétique, c'est tout. On a oublié de filmer son Instagram, les amis, c'est important. On le rappelle, il faut toujours donner de la force aux abonnés qui passent chez moi. Donc ça, c'est son Insta. Évidemment, ajoutez-le pour suivre les modifs et la vie de la voiture. Maintenant, la mécanique, frérot. La mécanique, il y a eu quelques modifs. Donc, échangeur, ouais. Admission. Ouais. Donc, une admission ITG et un échangeur Wagner. D'accord. Et une reprogrammation, donc l'équivalent d'un stage 2. D'accord. Donc d'origine ça fait 220 chevaux, oui, et 280 Nm. Là on a sorti 256 chevaux et 360 Nm. C'est bien. On peut aller plus loin sur le couple, mais la boîte... Et changer le turbo? Ça existe. Ouais. Je sais pas encore pour l'instant. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant au moins, non. Au moins tu es mesuré. Pour l'instant non. Alors, niveau intérieur, zéro modif. Full origine. Full origine. C'est voulu? Oui. Ok. Parce que ça me va bien. Peut-être le volant. À l'avenir, un petit volant sympa. Peut-être un petit volant carbone ou quelque chose comme ça pour faire un rappel avec le capot, ça pourrait être sympathique. Les sièges aussi, peut-être. Des baquets, parce que là, c'est les sièges d'origine. Donc oui, c'est en cuir et Alcantara derrière avec de la surpiqûre. Ok. C'est, Je pense, volant, petit baquet du Seigneur, voilà, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait, tu sais, pour que ça soit vraiment... Du strict minimum. C'est pas le minimum, mais il faudrait. La voiture est belle, t'as dû payer ça une tonne. Oh, la voiture, ça se touche dans les 21 000, 21 500. Et le kit et compagnie? Et alors, le kit, ça coûte 2000 euros juste le kit. Donc après, il faut le peindre, il faut le poser. Ouais. En tout, au niveau de la préparation sur la voiture, avec tout ce que j'ai rajouté, on doit être dans les 12 000 euros. En prépa? En prépa. Moteur et toute l'esthétique. Ouais. Okay. On est sur 12 000. Très bien. D'accord. Ok. Tu vas nous la démarrer, frérot. Ouais. On va voir aussi le moteur, hein, évidemment. Mais c'est pas on est légèrement pressé, frérot. Du coup, les sièges baquets sont en option sur la Trophy, c'est ça pas, en fait, sur la Clio, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'on en avait une, il n'y a pas longtemps, là. C'est pas. Oui. On l'avait chez nous. C'était deux séries comme ça. Elles étaient toutes avec ces sièges-là, qui étaient justement pour cette édition limitée. Tu vois, on voit le carbone ici, les amis. Ah oui. Carbone. Mais c'était pas en option. Après tout le reste, comme d'habitude. D'accord. Okay. C'est l'admission. L'admission, ouais. Assez joli. C'est spécial. L'échangeur, hein, en fait, l'échangeur est en lieu et place de celui d'origine. Donc c'est dommage qu'il pleuve, évidemment, parce qu'à mon avis, ça va pas tenir. On va voir ce qu'on peut faire. C'est chiant qu'il pleuve. Bon, désolé, la famille, hein, c'est comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. Vous veniez de loin ou vous veniez d'où? De Lyon. Ouais, quand même. Lyon. Lyon, frérot. Tu sais, on peut pas. 5 heures, en temps, vous êtes là. Moi j'en connais un, il le fait en deux heures. Ouais, tracer un Audi Quattro sur Paris-Lyon. Ah bah c'est beau. J'y ai pas pensé, mais fais attention. Il y a des vérins, hein. C'est bon. C'est bon. Bon bah écoute, on va démarrer, puis on est parti pour faire l'essai. Tu roules celle-là ou la blanche qu'on a fait celle-là. L'autre fois celle-là, ouais, celle-là, celle-là elle est belle. Ouais, celle-là. Juste regarde, tu peux filmer le troisième feu stop quand il va démarrer. Ah ok. Ah oui. La passion. Regardez les amis, ça va être beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh le. Ça brûle bien. On sent les... elle est pas décatalysée, non? Non. Éteint. Sur 250. C'est la 44 sur 250. Ouais. C'est vrai que le livre avec le body kit arrive et tu as une feuille où tu
demandes après ta place et Renault Sport te l'envoie. D'accord. Donc c'est nominatif avec ton adresse, ton nom, etc. J'ai une question extrêmement bête, mais ouais. Est-ce que tu es passionné Renault ou ça n'a rien à voir? Assez, oui. Ouais, ouais. Okay. Au niveau des marques françaises, ouais, je suis Renault. Ouais. T'as toujours eu que des Renault? Oui, j'ai eu la même que celle-là en blanche. D'accord. Mais d'origine, donc je n'ai pas fait toute la préparation. J'avais bien aimé, ensuite je suis passé à une Mégane 3 RS, la RB7, la Red Bull édition. C'était sympa, mais... J'ai déjà filmé une voiture. Voilà, une ouais. Comme ça, ouais. J'avais ça, et puis après je suis revenu à une Clio 4, donc que j'ai acheté toute d'origine, et j'avais mon projet en tête, l'esthétique, et puis la prépa moteur, ça s'est fait, fil de l'eau, quoi. C'était pas prévu à la base, et puis ça m'a tenté. Je t'ai fait un petit plaisir. Voilà, c'est ça. Très bien, voilà, écoute, on va partir sur la droite, et je pense que nous allons prendre le chemin autoroutier. Voilà. Je pense qu'on va prendre le petit chemin, c'est mieux. Parce que je pense que cette voiture-là est plus adaptée justement à ce genre de petite route plutôt qu'à une autoroute toute bête, toute droite. J'ai tort, frérot? Non, t'as raison, là, ça va être la route de Hamid. Donc là, on a appelé Hamid, il va bloquer ça tout de suite. Du coup, c'est une voiture que t'as depuis combien de temps, frérot? Je l'ai achetée au mois de mai. D'accord. Depuis le mois de mai, moi, je l'ai eu à la sortie du confinement. Ok. C'était la libération? Ouais, parce qu'en fait j'ai vendu la Mégane juste 2 jours avant le confinement. Ah mais tu sais que pendant le confinement les gens ils achetaient, ils vendaient en fait. Et du coup celle-là j'ai été la chercher juste avant la fin, je suis monté quand même la chercher jusqu'à Valenciennes. Ouais. Parce que je voulais pas qu'elle me passe sous le nez. Quoi. Oh non, mais de toute façon tu sais, les gens ils bossaient hein, pendant le confinement. Ah oui, oui, mais moi... Bon, il y a un moment... Je l'ai tenté. Tu l'as tenté, mais c'est très bien frère, mais les gens travaillent. Hein, bien sûr. Tu sais... À droite là. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que c'est beau? Voilà. Là, on va aller à droite. Puis on va voir un peu. Bah, tu fais du circuit? J'ai fait une session avec, ouais. T'as pas aimé? J'ai fait une session, j'ai adoré. Ok. Ouais, ça m'a vraiment plu. Et je pense que. Tu referas du circuit? Oh, oui, oui. Dès moi, je suis très mauvais, frérot. Bah, moi, je suis pas. Je suis très mauvais sur circuit. Je suis pas un expert, hein. Par contre. Envie. Sur le Paris-Lyon, je suis bon. C'est la seule chose d'ailleurs. Moi, j'étais une fois sur circuit et on a brûlé une Mégane RS avec Smart. J'ai vu ça. Elle pète et tout, hein. Incroyable. Ah, c'est bon. Là, on a le RS Monitor. Là, ça va être à gauche, mon frère. Là où il y a le camion, ouais. Tu peux le prendre de travers ici, ça se prend bien. Pourquoi c'est une question toute bête, mais t'as pas décatalysé, pourquoi, frérot? Pas encore, j'ai le contrôle technique cette année. Ah oui. Et une fois qu'il sera passé, je pense que ça dégage, on ouvre les vannes. C'est bon. Je pense. Allez, c'est parti. Et peut-être une ligne. Putain, ce qu'elle marche. Ah oui. Elle marche. Oh la vache, wow. Marche. C'est normal, je vais mettre ma ceinture. Parce que là, frérot, j'ai pas fini de payer mes dents de devant. C'est incroyable. Tu filmes bien là ou tu me filmes même trop quoi? Je te filme là frérot. Ah ouais mais je sais pas parce que l'œil de l'iPhone il est comme ça. Ouais, je te jure que je te filme trop bien. Tu là frérot j'ai l'œil de mouette. Allez c'est parti. Aziz et Hamid, ils nous ont pas trop prévenus en fait. Le Toki il buguait. Ouais, le Toki il buguait, on avait pas mis la batterie, frérot. Je pense que c'est une voiture fantôme. Bon, bah écoutez, en gros, qu'est-ce qu'il nous a dit, frérot? Il nous a
balisé. Il a fait 90€, 90€, 35€. C'est ça. Pas de retrait de points, mais moi je vais payer là, dès qu'on arrive au garage, je vais donner de l'espèce au frérot, comme ça au moins il paye ses amendes. Parce qu'il est venu pour la vidéo, c'est normal qu'il ait pas à payer ses amendes quoi. Mais alors franchement tu sais quoi, d'un côté je sais que t'es dégoûté. Bon c'est pas grave, c'est gratuit. Mais de deux, tu sais que franchement, heureusement frérot, que ça en reste là. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, je le dis. Oh bah pied dedans. C'est moi qui régale frérot. Par contre on sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Donc le retour va se faire doucement, hein, dans les règles de l'art. Mais bon tu sais que on est... En fait ils étaient cool hein. Oui, très sympa. Ils étaient cool frérot. Ils étaient cool. En fait le problème en fait c'est quoi? C'est les cache-plaques, on les avait oubliés sur la voiture. C'est ça qui a déclenché le truc. Sinon on était nickel. Non, sinon il venait pas, frérot. Ouais, mais assez vite, ouais. Non, frérot, t'as fait une petite fonte d'eux. Sans se presser. On a pas filmé le compteur. Non, mais en vrai, ouais, c'est le cache-plaque, quoi. Donc, ouais, bon, bah, on est content d'être là. Hein? Ça leur a fait peur, le cache-plaque. Et puis même l'accel, elle marche, hein, la voiture marchait très fort. Ouais. Hein. Bon, bah, écoutez, hein. C'est comme ça, c'est le jeu. Ça fait combien la Riri? Un peu là, c'est le limite, quoi. Non, mais 90, 90, 35, c'est quoi? T'es mauvais en calcul. Mais pas de points. 215. Mais pas de points. C'est ça le plus important. 215 balles d'amende, mais pas de points. C'est beau. Bon. Merci d'être venu, frérot. De rien. Non, mais José, qu'est-ce que tu fais, frérot? Double. Ne double pas. Non, mais arrête, Riyad, ça va pas ou quoi, frérot? Attends, ça se trouve, ils sont au bout là-bas. Je peux mourir. Non, là, frérot, t'imagines le retour, ils ont mis les jumelles et la douane volante. Là, frérot, c'est sûr, je sors de la voiture, je coupe à travers champ en courant, frérot. En tout cas, merci d'être venu, mon frérot. Franchement, belle voiture, c'était un kiff, bonne vidéo. Et on rappelle ton Instagram, mon frérot, c'est quoi? C'est PLUMZ-RS. Très bien. Merci à toi, mon frérot, d'être venu aussi. Vous venez de Lyon, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait chaud au cul, frérot. Riyad, merci, hein. Merci d'être. Merci Riyad. Hein. Merci d'avoir appelé. Et Aziz et Hamid aussi. Merci beaucoup. Hein. Vas-y, frérot. Merci beaucoup. Et puis nos réseaux sociaux à Riyad et à moi sont dans la description. La famille, à bientôt.